Coucou les filles et garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, on est le 11 janvier. Non, my god, le 11 mai. Oui, c'est ça. On est le 11 mai, au soir, le premier jour du confinement. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? On a travaillé. Voilà, on devait avoir les enfants des soignants aujourd'hui. Je commence la vidéo tac au tac. Hein. J'espère que vous allez bien. Bon, je continue. On devait avoir les enfants des soignants aujourd'hui, mais on les a pas eu. On n'a pas eu d'élèves aujourd'hui. Donc, on a continué à ranger, à mettre en place tout ce qu'il y avait à mettre en place. Donc, il y a pas mal de choses, les enfants. Mon Dieu, c'est du boulot. My godass. C'est du boulot. On a aussi nos masques. Donc, voilà, on a un nombre de masques par jour. Tout dépend le poste que tu as. Si tu es en classe, tu as plus de masques. Si tu es comme nous, en cantine, tu as moins de masques parce que tu n'as pas. Tu vois les enfants que durant la période de cantine. Voilà. Mais mon poste a changé un petit peu, on va dire. Donc voilà. Ça a changé un petit peu. Donc voilà. Les enfants. Comment expliquer ça? Je ne devais même pas faire ça comme vidéo, mais c'est pas grave, je mélange tout. Hein. Chaque enfant reste dans sa classe. La personne qui s'occupe d'un enfant s'occupe de l'enfant de A à Z. Chaque classe. D'accord? Les enfants ne se mélangent pas. Les enfants ne se croisent pas. Et puis voilà. Si tu es en CM2, tu resteras avec des enfants de CM2, etc., etc. Dans la cour, tout est calculé, tout est séparé. La cour est séparée. Les enfants vont rejoindre leurs parents, pareil. Ils sont à 1 mètre l'un de l'autre. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore eu d'enfants. Donc je ne peux pas vous dire si ça va fonctionner. On a plusieurs entrées dans l'école. Tout a été dispersé autour des entrées. Les enfants, on va dire deux classes là, deux classes là, deux classes là, deux classes là, deux classes là. Voilà. C'est galère. Donc si tu as peur, laisse ton enfant chez toi. My God. Donc voilà. C'est ça le conseil que je peux donner. Si tu as la trouille, laisse ton gosse chez toi. Parce que c'est quand même du boulot et il faut vraiment qu'on. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Côté cantine, bon, c'est pas, on n'a pas encore eu de cantine. Toilette, je peux vous dire, Gigi, à la fin du mois de juin, je ne pourrai plus sentir des toilettes. Non, on doit nettoyer les toilettes à chaque passage. Le matin, quand ils entrent. Quand ils vont à la récréation. Quand ils rentrent. Quand ils redescendent à la cantine. Quand ils remontent, au moins 10 fois dans la journée, sans mentir, on doit désinfecter. Les WC, ok? Les WC, les poignées et tout ça et tout ça et tout ça. Donc, tu vois, ma main va être comme ça dans la journée. On a des produits spéciaux, donc je pense que je vais mettre des gants parce que mes mains sont redevenues un peu normales, comme des doigts de fille, on va dire entre parenthèses. Les ongles sont recassés, hein. Regardez, ça a recommencé, il reste que celui-là, mais ça, c'est pas trop grave. Donc, je mettrai des gants pour utiliser les produits parce que voilà. Et puis, c'est tout. Bon, là, on arrête de parler de l'école. Donc, je vous ai dit, on est le 11. Qu'est-ce que Gigi a fait? Je devais aller chez Carrefour, donc chez Darty, chercher mon chargeur. Mais mon ancien chargeur a été réparé, donc pour l'instant j'attends, j'irai acheter une autre fois. Mais il faut que j'achète quand même parce que l'autre, il a été réparé. Donc je vais vous montrer. Donc il a été réparé ici. Donc c'est vraiment pas donné, hein, voilà quoi. Donc, il a été réparé. Donc, il faut que je fasse attention pour l'instant. Et puis voilà, c'est tout. Et comme je pouvais, comme je n'ai pas été chez Darty, elle était où Gigi? Elle était où Gigi? Elle était où Gigi? Et Nini Gigi? Bon, je n'ai pas été chez Noz. Je voulais aller chez Noz, mais bon, je lui ai dit, je ne vais pas aller chez Noz le premier jour. Parce que j'avais oublié mes gants. J'ai été chez Action. Donc voilà. Donc, je n'ai pas pris grand-chose chez Action. Donc, chez Action. Vous avez tous les 1 mètre. Si j'arrive à vous mettre une petite photo ou un truc ici, je vais vous le mettre. Et sinon, quand tu rentres dans le magasin, pareil, je vais vous le mettre ici. Donc, c'est-à-dire, la dame vous nettoie les mains. Enfin, vous donne du produit, vous nettoyez tes mains. Te nettoie le caddie, nettoie les paniers. Et puis, hasta la vista, baby. Je ne suis pas restée longtemps. Donc, je vais vous montrer le peu de choses que j'ai pris. Ce qui me manquait le plus chez moi, c'était la bougie. J'ai tout utilisé.
Il me reste juste deux petits trucs comme ça. Donc, j'ai racheté des bougies chez eux. Donc, je n'ai pas encore testé cela. J'ai peur ça. Ça sent la lessive. Franchement, ça, c'est comme si tu viens de laver ton linge. Et celui-là sent l'océan. Donc, voilà. Donc, j'ai pris que deux. Il y a d'autres modèles. Donc, j'irai les chercher. Mais bon, après, puisque j'ai déjà ça pour dépanner. Et je vous mettrai un petit vlog à la fin. Mais vraiment, gnac gnac. De vlog. Donc je me suis acheté ça, Galaxy S, ça parce que le mien est dans un état de pomme sucée, il est abîmé, bon il est là-bas, je vais le customiser, si ça se dit comme ça, pour juste donner un style. Donc j'ai dû acheter ça 1,99€ ou 1,49€, un peu comme ça. Ensuite, vous êtes habitués déjà, j'ai pris ça pour les filles, donc j'en ai pris deux, donc vous connaissez. De l'huile de ricin. Voilà. Ça doit coûter peut-être 3 euros. Ouais, dans les eaux. J'ai oublié de vous montrer celui-là. J'avais oublié aussi. Ça sent trop bon. Bon, ça coûte 99 centimes. Voilà le prix. 97 centimes, un truc comme ça. Mais il y a dedans 18. T'as le 24 qui y a dedans. Qui est à 1,39€. J'ai pas l'habitude de faire de haul d'action. 1,39€. Et il y a 50 dedans. Non. 24, 1,39€. 50, 3,33€. Voilà. Je vous ai filmé un petit peu, donc vous verrez. Donc vous regardez attentivement. J'ai acheté ça parce que je bois beaucoup dans ma chambre. Donc le temps de laver les autres pailles. Il faut les laisser tremper, tout ça, pour bien laver à l'intérieur. Donc, ce ne sont pas des pailles en carton. Parce que moi, même les pailles en carton, tu prends ça et puis c'est pas agréable à la bouche. Ce sont des pailles dures. Donc, c'est 1€ et quelques aussi. Même pas 1,50€. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris ça parce que j'en ai besoin. J'en avais plus. Super fine. Parce que j'avais déjà pris un chez Lidl. Mais ici, j'ai l'impression qu'on boit, on le boit. Parce que ça passe vite, donc j'ai pris ça vite fait là-bas. Parce que je ne voulais pas aller chez Carrefour. Vu que la dernière fois, les gens ne respectaient pas chez Carrefour. Donc, j'ai pas voulu. J'ai pris ça. Le sac congélation pour pouvoir mettre mes gants. Mais pas mes gants, mais ça là. Mes masques propres par sachet pour pouvoir le mettre dans mon sac. Sinon, il ne faut pas laisser vos masques traîner. Donc, j'ai pris ça pour mettre mon masque à l'intérieur. Comme ça, c'est propre. Et le soir, quand je repars, je remets le sale dedans. Par contre, vous ne pouvez pas réutiliser le sachet, quoi. Donc voilà. Ensuite, bon, j'ai acheté ça. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est nouveau chez Action, mais je l'ai acheté 1,39€. Un truc comme ça. Hein. Et il y a trois variétés. Donc vous allez le voir aussi dans le vlog. Et c'est celui-là seulement. L'application Yuka est bon. Les deux autres, l'application Yuka, c'est 0,9. Donc 9 sur 100, c'est pas ça. Donc c'est pas ça. Assorti. 0,9. 9, 9 sur 100, c'est pas le top quoi. Et celui-là, il est vraiment vert. Donc c'est déjà bien. Donc je ne l'ai pas pris pour moi parce que, bon voilà. C'est une tête d'antillaise là qu'il y a dessus. C'est au coco. Donc je l'ai pris. Je me mettrai dans un des box que je vais faire pour des mini concours. Donc voilà les enfants. Donc si vous parmi vous ça intéresse, voilà, j'ai pris un seul. Et ça, depuis l'année dernière que je voulais faire ça. Donc comme en ce moment je suis en mode jardin, donc j'ai acheté des carottes. Donc ça va être des toutes petites carottes comme ça. Et j'ai pris ça 99 centimes. Donc j'ai pas payé ça cher. Donc on verra bien si ça marche le truc, si ça va nous faire des mini carottes ou pas. Je suis pas débile, hein? Ben oui, c'est des carottes. Des tout mini carottes comme ça. Donc voilà. Donc des petites nouvelles du jardin, les enfants. Mon jardin a pris le froid. Donc comment ça s'appelle? Il y a un nom qu'on appelle ça, mais ici, la Sainte Glace ou je sais pas quoi. Donc les tomates fanées, voilà, basilic fané, j'ai failli chialer. Donc j'ai recouvert avec un sac poubelle et puis on verra bien ce que ça va donner. La laitie, ça n'a pas bougé. J'ai rentré quelques trucs à l'intérieur et puis voilà quoi. Il fallait attendre la Sainte Glace.
Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, les enfants. Donc je vous dis hasta la vista, baby. Donc voilà, les enfants, profitez, faites attention. C'est pas parce que le confinement est fini qu'il faut pas que la vie reprend. La vie ne reprend pas encore, d'accord? Il ne reprend pas, donc tu fais attention, ok? Je sais pas si je vous mets, ça fait 10 minutes la vidéo, si je vous mets derrière un petit produit terminé, mais bon, c'est pas grave. Donc les enfants, ah, mais je vous ai pas tout montré. J'ai oublié celui-là. Donc j'ai celui-là aussi à ouais, c'est amande. C'était amande. Voilà. Voilà. Donc j'ai pris amande aussi. Deux comme ça. Et celui-là, c'est pour moi. Donc voilà les enfants. Donc c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Merci à tous ceux qui m'ont suivi durant le. Comment on appelle ça? Merci à tous ceux qui m'ont suivi durant le confinement. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas pu continuer les 2 derniers jours du confinement puisque j'ai eu un problème avec mon ordinateur. Gros bisous, profitez quoi, profitez, profitez. Regardez ça, j'ai des grands bras. Je vous. Regardez-moi. Je vous fais des gros câlins comme ça. Oh, on dirait une sorcière. Ah, on m'a envoyé un message. Oh,
fait, pour l'instant, c'est pas, y a pas de genre.